takhle bych to vzal takhle. Jan Švankmajer est un cinéaste tchèque connu pour ses films d'animation. Le travail de Jan Švankmajer ne se limite pas au cinéma. Depuis plus de 30 ans, lui et sa femme Eva font œuvre commune et leur création est indissociable de leur vie. Gravures, peintures, collages, céramiques, inventions d'objets et d'animaux, marionnettes, poésie, etc. Leurs moyens d'expression sont multiples, mais répondent à une même exigence, le surréalisme. Membre clandestin du groupe surréaliste de Prague, sous le communisme, depuis la révolution de velours, il continue infatigablement à chercher. Cet hiver-là, ils interrompaient la préparation de leur nouveau film, Otesanek, pour organiser une exposition présentant la somme de leur travail. Et là-bas, ce sont des collages? Oui, ce sont des collages. J'ai fait ça à partir de planches anatomiques. Ce sont des choses nouvelles? Oui. J'ai trouvé un atlas anatomique d'occasion, pour pas cher, et je n'ai pas pu y résister. Le sous-lieutenant Mercier était fier d'avoir un ami comme Georges. C'est alors qu'Henri entra dans la pièce et lui déclara sa flamme.
Certains objets voyagent d'un film à l'autre, ou bien d'un film aux autres formes de création, ou à l'inverse, des autres formes de création à un film. Je pense qu'il n'y a qu'une seule poésie, et que les moyens d'expression utilisés pour exprimer cette poésie importent peu, que ce soit le cinéma, la peinture, la gravure, le collage ou la céramique. C'est par paresse professionnelle qu'on n'utilise qu'une seule technique. Dans ce domaine, je me considère comme un militant surréaliste. Le Phélacéus oedipus, ou faux Oedipe, est une espèce très rare qu'on trouve aux confins du bush australien. Son cou sort d'une géante poche utérine élastique, d'où s'élève, dans la partie antérieure, un thorax osseux. Les aborigènes australiens l'appellent Makasamambo, ce qui signifie « le donneur de fils », parce qu'ils croient que si une femme enceinte mange un de ses œufs, elle donnera naissance à un fils. Les bébés du Phalaceus oedipus ne sont que de sexe masculin et naissent le pénis en avant. Là, c'est quelqu'un qui tire la langue. C'est décomposé en plusieurs phases. Il y a 3 ou 4 phases. Ce sont des mimiques. J'ai fait comme ça quelques objets animés. Et là, c'est tout un mouvement en animation. Il était une fois un homme et une femme qui n'avaient pas d'enfants, ce qui les rendait très malheureux. Un jour, l'homme partit dans la forêt et là, il trouva une racine en forme de petit bonhomme. Il la ramena à sa femme et ils l'appelèrent Otesanek. Nous sommes venus ici couper des corps d'Otesanek afin de faire différentes phases d'animation. Il faut que les jambes aient différentes positions pour pouvoir les faire bouger. Ça, c'est pour animer les expressions du visage. Nous choisissons différentes formes, différents orifices, parce que après, nous allons y mettre les yeux ou les dents. Nous voulons fabriquer les expressions de Tessanek à partir de véritables morceaux de bois. Et pourquoi vous ne fabriquez pas ça en latex ? Le latex, vous pouvez l'utiliser pour les plans généraux, mais pour les gros plans ou les très gros plans, ce n'est pas possible. Il est important que les spectateurs croient que l'enfant est véritablement en bois. S'ils se disent « c'est du latex », alors c'est raté.
Vous voyez, ici, il y a encore plein de Tessanec possibles. Par exemple, là, il y en a un qui a un joli pénis. Maintenant, nous devons décider comment nous allons les fabriquer et les unifier les uns avec les autres. Nous avons choisi différentes phases pour faire le mouvement. Il y en a avec les jambes écartées, d'autres avec les jambes rapprochées ou avec une jambe en avant. Et tout cela, nous allons le filmer deux images par deux images pour recréer le mouvement. Maintenant, nous faisons essentiellement un travail manuel. Il faut enlever l'écorce du bois, etc. Et ça n'a rien de vraiment créatif. Celui-là, on l'a fait assis, pour que la mère puisse le tenir dans ses bras. Quand elle lui montre le livre. Et celui-ci est fait pour pouvoir être longé. Pour l'animation, il y en aura d'autres qui seront habillés. Le corps sera en fil de fer et il y aura juste des petites branches pour faire les doigts. Et on pourra les animer, ainsi que la tête. Ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas, mais nous devons faire des essais. Ça représente donc beaucoup de travail. Et c'est seulement quand nous allons filmer que nous verrons si cela a servi à quelque chose. Il faut sans cesse se contrôler pour ne pas se répéter, pour ne pas remettre les mêmes éléments, pour ne pas refaire tout le temps les mêmes combinaisons, pour changer. Je pense que le nombre de phases devrait suffire. Si nous ajoutons encore les deux otessanés complets que nous avons à côté, je pense que ça devrait être bon. Ce sont des racines de pin et elles ont la particularité de ressembler à des petits doigts. Nous allons en faire les doigts des pieds et des mains de Tessanec. Nous sommes donc venus ici chercher des petits doigts. Il nous a expliqué que nous allions avoir besoin d'une paire de gants qui ressembleraient aux petites mains d'Otessanec. Et que quelqu'un allait les manipuler, que c'était simplement un costume.
J'ai ramené quelques racines à la maison. Ce sont mes gants qui sont en dessous. J'ai pris mon pistolet à colle et j'ai commencé à les fabriquer. J'en ai fait deux. J'ai travaillé en secret. Je voulais que personne ne sache ce que j'étais en train de faire parce que je voulais que personne ne me dise comment je devais faire. Pour animer Otesanek, nous utilisons des techniques classiques. Aujourd'hui, pour cette séquence, nous allons combiner de l'animation, des prises en gros plan et des techniques de marionnettes avec des fils de nylon. Et nous allons combiner ça avec d'autres plans dans lesquels quelqu'un va enfiler les gants d'Otesanek et va les bouger. Il bougera les doigts comme ça, normalement. Non pas comme une marionnette, mais comme un acteur à l'intérieur d'un costume. Nous utilisons donc des techniques classiques que nous combinons entre elles. C'est ce qu'il y a de mieux. Ainsi, le spectateur met du temps avant de comprendre comment chaque image est réalisée, puisque la technique change. Comme ça, il est un peu trompé et il ne trouve pas la méthode utilisée. Que pensez-vous de l'animation par ordinateur ? J'ai trouvé tout ce que j'ai vu pour l'instant très technique, très froid, très distant. Tout ce que j'ai eu besoin de faire jusqu'à présent, je l'ai fait au moyen de l'animation classique, manuelle, y compris dans le film Nourriture, lorsque les personnages avalent les tables et les chaises et qu'on voit leur tête. Tout ça a été fait au moyen de pâte à modeler. Ce n'est pas que je sois conservateur ou traditionnaliste, mais je n'aime pas ces techniques. Parce que quelque chose y manque. C'est trop parfait. La technique est trop voyante. Alors que dans l'animation manuelle, c'est moins précis. Il y a beaucoup de petites imperfections, de petites erreurs. Et pour moi, ces erreurs sont très importantes. Parce qu'elles rendent le film subjectif. Comme les anciens hermétistes, je crois que les objets ont une vie propre. Et parce qu'ils ont été témoins de certains faits, ou bien parce qu'ils ont été manipulés par des personnes qui se trouvaient dans un certain état d'esprit, dans une tension ou dans une anxiété particulière, ces objets ont été chargés de tout cela. Et ils peuvent, dans certaines situations, retransmettre ce dont ils ont été chargés. Je recueille donc ce que je crois qu'il renferme et je l'insère ensuite dans mes films. Ah, il y a une belle atmosphère dans cette cave. Bien sûr, nous avons rajouté quelques cloisons ici. Mais vous voyez, il y a ces murs un peu sales. Le sol qui est resté brut. Nous laissons exprès la patine qui s'est accumulée ici. C'est quelque chose d'inimitable.
Il y a des lieux obsédants, tout comme il y a des thèmes obsédants. Et parmi ces thèmes, le plus important pour moi est celui de la cave. Parce que c'était vraiment une souffrance lorsque petit je devais y descendre. La cave qui est dans Alice et qui sera bien sûr aussi dans Otesanek, c'est la cave de ma jeunesse. Il y avait une cave comme celle-là à Wojcowice, dans notre immeuble. Ma mère m'envoyait dans la cave pour aller chercher du charbon quand j'étais un peu plus grand. Et avant, pour y chercher des pommes de terre. Mais bien sûr, c'était terriblement traumatisant. Parce que dans un tel endroit, l'enfant a peur. Et cette peur est irrationnelle. On ne sait pas ce qu'il y a, les choses sont cachées. Il y a cette obscurité. On ne voit pas ce qui est entreposé derrière les lattes. C'est terrible. Aussi, quand ma mère me demandait de descendre à la cave pour aller chercher des pommes de terre, ça me donnait presque envie de m'enfuir de la maison. Mais je voudrais également dire que cela a nourri mon imagination. Cette cave a eu énormément d'importance. Parce que l'angoisse est une des sources de l'imagination. Et dans cette pénombre, ce noir, j'imaginais des choses. Des démons qui pouvaient m'attaquer. Ce n'étaient pas des images concrètes, mais les démons étaient bien là. Et pourquoi avoir choisi une petite fille si le personnage incarne vos peurs ? Eh bien, j'étais assez gêné de mettre un petit garçon. Parce que je dirais que c'était une angoisse liée à la part féminine qui est en l'homme. J'ai donc décidé d'envoyer à ma place une sorte d'incarnation enfantine de mon esprit. Ce sont des couloirs souterrains. Ils sont murés, mais ils continuent plus loin. Ça, ce sont des objets du film Alice. Là, vous avez des croissants avec des clous. Et ça, ce sont des œufs avec des crânes. Les œufs se sont probablement ouverts, et si on débouchait la bouteille, ça puerait terriblement. Regardez, là, il y a de la pourriture. Ça, ça vient du film Alice. C'est une putréfaction classique. Ce sont les vraies chaussures du caméraman et d'Alice. Elles sont là depuis 1986.
C'est fermé hermétiquement et elles pourrissent lentement à l'intérieur. Là, c'est le roi et la reine. Eva s'est représentée elle-même sous les traits de la méchante reine. Sraste im hlavu, zažvala královna. Lui, c'est le lièvre de Mars. Et lui, c'est le chapelier fou. Ce sont des personnages d'Alice. C'est Eva qui a fait le lièvre, et moi j'ai fait celui-là. Pendant toute la préparation du film, je participe, je suis présente. J'ai donc une idée du film. J'ai également une idée de comment je peux intervenir, de ce que je dois faire. J'essaie au maximum de comprendre ce que veut Yann. Moi, je ne sais pas recopier les choses. J'ai mon expression personnelle. Je laisse bien entendu les mains totalement libres à Eva. Ce que je veux, c'est qu'elle fasse ce que je lui demande, mais dans le cadre de sa pensée, de sa création. Elle n'a pas besoin de se forcer à faire quelque chose. On ne peut pas lui dire, là, je voudrais que ce soit plus rouge ou plus grand. Dans le puits, le pendule et l'espoir, Eva a beaucoup travaillé en tant que peintre. C'est elle qui a réalisé le mur qui avance, les panneaux qui représentent l'enfer et qui poussent le condamné dans le puits. Puis, dans les films de long métrage, à partir du Alice, sa collaboration plastique est devenue beaucoup plus importante et régulière. Pour résumer en gros notre collaboration, Eva a son propre programme créatif. Elle est peintre, elle écrit de la poésie, de la prose. Et dans la création, nous sommes indépendants l'un de l'autre. Le surréalisme est quelque chose qui nous lie, mais ça c'est autre chose. Une fois, j'en ai même cassé un parce que les gens me regardaient. Et il a fallu qu'ils partent et qu'ils ne me regardent plus. Laisse-moi. Tu n'es pas très douée pour la sexualité de groupe, hein? Oh non. Une fois, quelqu'un que je connaissais m'a invité à une partouze.
Et j'ai eu un tel choc qu'il ne me l'a plus jamais proposé. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas possible. Non. Mais si tu les as numérotés, tu devrais savoir comment ils se mettent. Attends, je pose celui-là, là. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le numéro 5. Il ne peut pas aller ici. Viens, s'il te plaît, je vais le faire toute seule. Il faut suivre les numéros. Bon, ça, c'est le numéro 2. Ça doit aller là. Ah, mais j'ai fait une bêtise. Bien. Attends. Si ça, c'est le numéro 3, il doit aller ici, comme ça. Non, non, il doit aller ici. Mais bon Dieu, comment tu les as numérotés? Où est le début? Tu le fais exprès. Mais comment les as-tu numérotés? Alors, voilà, ces trois-là vont ensemble, et celui-là va avec celui-là. Et celui-là, pourquoi est-il là? Il ne peut pas rester tout seul. On ne peut pas avoir pitié de tout le monde. Hein. Mais ça ne va pas. Il faut tout enlever. Il faut tout refaire. Allez, j'enlève tout. Bon, ça c'est le 1. Mais ça, ça devrait être devant. Eva, est-ce que ça ne devrait pas être tourné de 180 degrés? Quoi? Ça devrait être devant, et ça derrière. Ça, c'est forcément devant. Moi, je préfère qu'on ne le voit pas. Bon alors, mets un chiffon dessus. Et si on tournait le tout? Bon, d'accord. T'es vraiment un exhibitionniste, hein? Tu fais des bêtises. Non, encore un peu. Comme ça. Il y a des voisins qui vont venir. Tu vas faire un scandale. Nous avons toujours l'intention de nous dire quelque chose. Nous sommes toujours curieux de l'attitude, de la réaction de l'autre. C'est un élargissement. C'est un élargissement de la vue. Voilà, enfin. Ian m'a dit, nous allons faire un tableau ensemble. Nous allons travailler de la façon suivante. Tu vas faire quelque chose, puis je vais ajouter autre chose. Nous avons donc fait comme ça, et je lui ai même enlevé un élément. Et j'ai peint par-dessus. Et ça, ce sont les chaussures de votre fils? On lui demande souvent si ce sont ses chaussures. Et il n'aime pas ça. Pourquoi signez-vous ces céramiques EJ? Ces initiales E et J, c'est pour dire que ces choses ont été faites par Yann et par moi. Nous travaillons avec les mêmes matériaux, nous partageons la même vie, mais nous nous exprimons d'une façon assez différente. Non pas au niveau des idées, ni au niveau du sens de l'existence, mais l'expression plastique elle-même est assez différente. Et il n'est pas du tout vrai que l'un serait capable de faire ce que fait l'autre. Certains objets proviennent des films, comme par exemple les têtes de Don Juan. Nous avons fait des moules à partir d'elles et maintenant nous les utilisons tous les deux dans nos céramiques. Pas seulement moi, mais également Eva. Nous les utilisons chacun d'une manière différente. Donc les choses se pénètrent les unes les autres et il est difficile de les séparer. Et sur Otesenek, comment s'est passée votre collaboration? Eva a beaucoup aimé ce conte. Elle voulait en faire un film d'animation et elle a écrit un scénario. J'ai voulu l'en dissuader, mais comme Eva a travaillé dessus, et à cause de la transmission de pensée qui s'opère quand deux personnes vivent ensemble, moi, qui étais très sceptique au départ à l'idée de faire un film à partir de ce conte, je me suis soudain surpris à penser énormément à ce sujet.
taky na to, jako jo, na to téma. A teď se mi to začalo skládat, já jsem si říkal, Ježíš Maria, já to přece... Peu à peu, tout a pris forme dans ma tête, et je me suis dit, mon Dieu, je ne peux pas voler l'idée d'Eva, ce n'est pas possible. Mais j'étais allé si loin dans le sujet que je ne pouvais plus m'arrêter. Et je continuais sans cesse à y penser. J'étais devant un dilemme et je ne savais plus quoi faire. Je lui ai alors avoué que moi aussi je travaillais sur Otesanek. Elle s'est un peu fâchée. Puis nous nous sommes dit que ce n'était pas contradictoire et que nous pouvions intégrer son film dans le mien. Jednou z rána vykopal ten muž v lese pařízek, který vyhlížel jako malé děťátko. Potřeboval jen kořinky na ručičkách a na nožičkách v rytice. Ce sont les éléments de départ pour la séquence d'animation à papier. Là, c'est Otesanek dans la maison, et là, c'est la concierge qui lui fend le ventre. Ale babička byla čiperná, uhodila Otesanka motyčku do křiku a rozpárala moho. Et ça, ce sont les différentes phases du père quand il voit la mère se faire dévorer. Voilà à quoi ça ressemble. Après, je mets ça sur une table lumineuse et j'allume pour pouvoir copier l'image dans des phases différentes, en accord avec le réalisateur. Mais le réalisateur est en ce moment hors service parce qu'il s'occupe des acteurs. Oui, ce sont les affaires de nos enfants. Le petit bonnet, la petite chemise. Zasypeme dlobečta, aby se nám neopluzal. Má i zadeček. Regardez, celui-là, il a des petites fesses. Il a tout ce qu'il faut. Pour les grands Otesanek, il faudra tout fabriquer, y compris le linge de corps. Il faudra faire tout ça à l'échelle, et tricoter au crochet les bonnets et les pyjamas pour bébé. C'est Eva qui les dessine et ensuite la costumière les réalise. Demain, elle va peut-être amener des choses qu'elle a faites, des grands pyjamas. Bon, il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas que ça ressemble à une blouse de boucher. Ce que je veux, tu sais ce que je veux. Je veux que ça soit comme un vêtement de bébé, mais en plus grand. Oui, mais si tu le veux en 160, ça fait ça. Mais ça, ce n'est pas un problème de le faire en plus petit. Si tu le fais plus petit, ça va faire quelque chose pour un adulte de plus petite taille. Mais ça ne va pas faire quelque chose pour un enfant. Il faut le faire comme si c'était pour un gros bébé. Moi, ce que je te propose, si tu veux, c'est de faire cette chemise plus petite et là, je peux encore ajouter des dentelles. Oui, mais ça va encore ressembler à une blouse de boucher. Très bien. Alors, je vais mettre un motif là. Un dessin de Mickey Mouse ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Et sur les grands, il faudra aussi un motif. Ça ne pose pas de problème. C'est terrible, quand l'homme est là, il faut qu'il se mêle de tout. Bon, ici on a 13. Et toi, tu veux le faire en 30? Nous sommes venus ici pour chercher l'héroïne du film. Je sais quel type de fillette je dois chercher. Je cherche un enfant pas trop créatif, mais qui a des caractéristiques physiques précises. Quelqu'un de type tchèque.
J'ai une photographie d'Eva quand elle avait cet âge-là. Et nous allons chercher une fillette comme elle pour le film. Je ne sais pas si nous allons la trouver. Ça, c'est Yann qui cherche ça. C'est Yann. Je ne sais pas comment il sait à quoi je ressemblais quand j'étais petite. Parce que maintenant, je suis différente. Peut-être a-t-il vu des photos. Mais c'est lui qui cherche ça. Quand les photos seront prêtes, Yann va les prendre, puis il va s'asseoir sur une chaise et il va se plaindre. A teď by říkala, to se dělá, zase si se počurala, to si nemůžeš říct, abych tě dala na nočníček, kdo to má po tobě prát a naplácala by si, jo? A za boj si ji zase dala a šla bys dál, jo? To máš říct, to nemůžeš dělat tohle. To je schopná jako komunikovat. To perfektní, to uděláš, že no najdeš perfect. Lepší. Tady nepůsobí tak jako starší no. Vůbec, ale ona je teda velká, jo. Ona by bylo dobrý. To má po tobě pořád prát, to se dělá ty enuretiky. Já to neříkám, že si jo, ale prostě ta jediná přichází v úvahu. Z tam těch žádná z nich. Vejš ho házej. Ještě vejš. Ještě vejš. Ještě až do stropu. On se tam vrhne, že jo, na tebe a teď ty už musíš se předtím vlastně už mrskáš rukama, že jo. Jo. On se to bude s ním prát, že? Il veut que je fasse une action, il veut que je sois en mouvement. Il n'y a pas une sorte de préparation psychologique du genre tu es un monstre, tu vas faire ceci, tu vas manger cette personne. Ces indications se résument à bouge. Bouge ou saute. Il veut juste une action. Un jour, Schwenkmayr est arrivé et nous a dit qu'il y allait avoir un costume d'Otesanek et que quelqu'un allait devoir jouer à l'intérieur. À ce moment-là, nous nous sommes tous regardés. Et nous avons demandé, mais qui ? Il m'a alors regardé, et comme j'étais le plus grand, il m'a dit, toi ! Parce que je suis celui à la fois qui a construit le costume et qui joue à l'intérieur, cela rend l'expérience beaucoup plus signifiante pour moi. Regarder à travers sa propre création le visage du réalisateur qui vous dit dans une autre langue ce que vous devez faire dans son film, ça c'est une expérience surréaliste. Lorsque j'étais allongé sur ce lit et qu'ils ont filmé, j'imaginais à quoi la scène devait ressembler vue par quelqu'un d'autre. Et ça m'a rappelé que lorsque j'étais un petit garçon, j'allais tout le temps à la bibliothèque avec ma mère et que là je prenais des livres qui parlaient de célèbres films de monstres. J'ai toujours été fasciné par les photos de tournage avec des gens comme Boris Karloff ou Bela Lugosi qui jouaient des vampires ou Frankenstein. Et je me suis senti comme dans une de ces photographies. J'ai essayé d'expliquer ça à Schwenkmayr parce que je pense que pour lui, la limite entre l'art et la vie est très floue. Mardi 17 juillet. Mon chef opérateur et sa femme Anna sont venus chez nous à Steinkopf. Après avoir fait le tour du château, Anna a fait le commentaire suivant. Vous êtes en train de transformer Steinkopf en théâtre de marionnettes. Il y a un peu de cela. Je pense que ce que nous avons fait de Steinkopf est un tour de force dans son genre. J'espère que nous aurons assez de force pour en voir le bout. Nous devons construire quelque chose entre le château de Koux et le palais idéal du facteur cheval, une sorte de résidence surréaliste pour sages. Cela va demander encore plus de concentration et un travail encore plus intensif. Nous devrions faire un plan pour le projet dans son ensemble.
Même au point où cela en est, je pense que cela peut être un projet à vous couper le souffle, mais je ne sais pas comment faire. Comment vous arrangez-vous pour la répartition de vos statues respectives? Chacun fait comme il veut. Et quand l'un a fait quelque chose, l'autre est content parce qu'il n'a pas à le faire. Non, il est content parce que c'est là. C'est terriblement mal entretenu. Mais pourquoi vous entourez-vous de statues? C'est une question idiote. Comment peut-on vivre sans statues, sans arbres, sans eau? Peut-être que sans sculpture, ça n'a pas de sens. Peut-être que les sculptures, comme les arbres, comme les choses qui durent, sont des choses essentielles. Moi, je ne peux pas dire pourquoi je mets des statues quelque part. Je ne peux pas. C'est peut-être la seule chose qui ait un sens. Mettre des statues quelque part. D'où vient la fascination de Yann pour Archimboldo? Ça, je ne peux pas vous répondre. Il faut lui demander. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée dans l'atelier à faire un nouvel Archimboldo. C'est terrible, mais cette activité m'excite toujours autant et je n'arriverai probablement jamais à savoir pourquoi. Nous allons mettre les statues qui viennent des films du côté de la rue. Comme Ashtenkov? Oui, mais là, ce seront des personnages des films. Il y aura les personnages de nourriture, tous ceux pour lesquels nous avons fait des moules. Comme par exemple, quand ils mangent une assiette. Je suis curieux de voir comment les gens d'ici vont réagir. Nous allons aussi en mettre là-haut, sur les cheminées, les grandes. À la fin des années 60, et surtout avec l'arrivée du printemps de Prague, nous avons pu organiser une ou deux expositions et faire quelques publications. Puis, avec l'occupation soviétique, le groupe a dû retourner dans la clandestinité. Ici, il y avait une grande table et nous nous retrouvions ici avec le groupe. Toute la maison servait pour nos activités surréalistes. Toute la maison. C'était presque en permanence. Il y avait toujours quelqu'un qui venait dormir là. Chaque semaine, nous faisions des réunions. Et ce, pendant des années, jusqu'à la Révolution. Avant, lorsque nous nous rencontrions dans une brasserie, nous pouvions être certains qu'à la troisième réunion, pas à la deuxième, à la troisième, à la table d'à côté, il allait y avoir un homme avec un imperméable qui allait boire de la bière, lentement, sans nous regarder. Et nous nous disions, et si on ne peut rien se dire, on va faire ça chez nous. Nous étions dans l'opposition, mais nous étions aussi bien opposés au stalinisme qu'aux autres dissidents.
Mais il y avait quand même des échanges, une communication. Par exemple, avec Václav Havel et avec des dissidents qui ont maintenant des fonctions politiques. Et durant 20 ans, nous avons créé dans l'illégalité la véritable culture tchèque. Quand le système totalitaire s'est arrêté, les dissidents se sont dispersés, le groupe underground a éclaté, mais le groupe surréaliste est resté. Dans les années 50, j'avais un manuel. Et sur la page de dos, il y avait un grand portrait de Gottwald, qui était alors président de la République tchécoslovaque, ainsi qu'un portrait de Staline. Et pour moi, ces deux individus étaient des ennemis personnels, parce qu'ils mettaient en danger ma famille et mon avenir. En tant qu'enfant de famille riche, je n'avais comme seule perspective que d'être mineur, ramoneur ou quelque chose dans le genre. Je suis quelqu'un de très travailleur et ça ne me gênait pas d'aller dans les cheminées ou d'aller ramasser du charbon. Mais ce qui me gênait, c'était la terrible déculturation de la société. Et aussi le désespoir à l'idée qu'un jour, quelqu'un essaierait de m'arracher des mains le crayon ou le stylo. J'ai arrêté l'école à 14 ans et je me disais que jamais personne ne m'arracherait le stylo. Ça a été dur, mais personne ne me l'a arraché. Le régime a maintenant changé et depuis 10 ans, on dit aux gens qu'ils ne doivent être intéressés que par l'argent. C'est donc la même chose. Chaque fois que je dis quelque part que je suis surréaliste, je vois des regards de pitié. Les gens se disent, eux, ils étaient sous le communisme, les pauvres. Ils ne savent pas que le surréalisme n'est plus à la mode. Ils tolèrent ma déclaration. Mais dès que nous nous mettons à en discuter, surtout avec les jeunes, ils commencent à être intéressés parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'autre chose que des tableaux de Salvador Dalí. Les jeunes sont intéressés par mes films et ils se rendent compte que le surréalisme, c'est autre chose que ce qu'ils ont appris et que ce qu'on leur a dit. Et ils se disent, si c'est ça le surréalisme, alors ce n'est pas quelque chose de mort puisque ça m'intéresse. J'étais un enfant très maigre, qu'il fallait nourrir sans arrêt. On me forçait à manger. Et on m'envoyait dans des camps où on me nourrissait. Le seul but de ces camps était de gaver les enfants. C'était terrible. Lorsque l'enfant avait pris un kilo dans la semaine, il recevait un bonbon.
Et donc, à chaque fois, avant la pesée, nous buvions énormément d'eau afin de prendre ce kilo. C'était bien entendu en liaison avec le régime politique, qui était là pour venir en aide à tout le monde, y compris aux enfants trop maigres. J'ai été là-bas pendant 2 mois. On suivait aussi des cours. C'était terrible. Nous étions des gamins séparés de notre famille et nous étions mis là-bas pendant 2 mois entre les mains de femmes qui nous forçaient sans cesse à manger, qui nous gavaient. On a été jusqu'à refuser de me mettre en première classe parce que j'étais trop maigre. Et à la fin, on m'a même transporté dans un fauteuil roulant parce que je n'étais plus capable de marcher. Ça a été un traumatisme. Et bien entendu, je l'ai réutilisé dans mes films. Bien sûr, le repas est un symbole. La nourriture, le fait de manger, sont des symboles de l'agressivité humaine. C'est une raison pour laquelle il y a souvent chez moi le thème de la dévoration. Il y a ainsi un de mes films qui s'appelle « Nourriture », dans lequel c'est bien montré. Et ça va jusqu'à l'autocannibalisme. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations à la nourriture ? Maintenant, je suis plutôt gourmand. Ça s'est transformé dans le fait qu'à présent, j'aime bien manger des bonnes choses. Et de même, c'est seulement en relisant le scénario de Tessanek que je venais de terminer que je me suis dit, mon Dieu, mais c'est un film entier sur mon obsession de la nourriture. Mais les obsessions, je ne les domine pas rationnellement. Elles se comportent de façon irrationnelle et elles font ce qu'elles veulent de vous. Tessanek arriva dans un champ où une bonne vieille sarclait des choux. Il s'approcha et commença à les manger. La vieille lui dit : Což mi to o tesánku škodu děláš? Však si to snědl. Mohl ses už najíst. Jedcem, snědcem, divečku s jetelem, sedláka se senem, pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty a tebe také sním. Nous avons utilisé ces racines pour la séquence finale du film, qui est aussi la dernière partie du conte. Dans cette scène, Otesanek sort ses énormes tentacules de la cave et attrape tous les choux du potager. Nous avons fait sortir les racines par le soupirail qui se trouve dans la cave. Deux d'entre nous étions placés en bas et nous tenions les racines pour les faire sortir à travers la fenêtre.
À l'extérieur, Martin et Bedřich Glazer, les deux animateurs, les ont fait sortir petit à petit dans le jardin. Et petit à petit, parce que bien sûr ça a pris 4 heures, ils ont ramené les choux à l'intérieur. Est-ce que c'est pas plus difficile d'animer du vrai bois que du latex ou de la pâte à modeler ? D'un côté, c'est un peu plus compliqué, mais de l'autre, le matériau appelle de lui-même un certain mouvement. Et donc, d'une certaine manière, le matériau collabore. Ce n'est pas une stylisation de quelque chose. C'est donc plus difficile par certains aspects, mais je préfère. Parce que c'est plus naturel. Animer au Tessanec, c'est vraiment quelque chose de physique. J'ai fait tellement de choses avec Schenkmayr. Nous avons déjà expérimenté tellement de possibilités qu'il est difficile de trouver quelque chose de nouveau. À chaque fois, je regarde autour de moi et je me dis, ça, je l'ai déjà animé. Ça aussi. Alors, il ne vous surprend plus ? Aussi quand même. Et après toutes ces années, nous sommes assez en harmonie. Donc, nous comptons chacun l'un sur l'autre. Là, nous recouvrons les fils de pêche avec de la peinture marron pour les camoufler. Otesanek représente aussi notre inconscient. Nous savons que les contes sont au départ des sortes de mythes. Des mythes, soit cosmiques, soit sociaux. Mais ce sont des mythes. Otesanek est certainement un très vieux conte. Mais ce n'est pas un conte du 19e siècle, c'est sûrement un conte plus ancien. Il y a aussi le fait que le personnage soit à ce point immoral puisqu'il va manger ses parents qui le nourrissent. Cela représente certainement un archétype. Et c'est ça qui m'intéresse. Trouver l'essence même de ce que Otesanek peut représenter pour les gens. Ce n'est pas seulement un monstre pour les petits-enfants. Cette Eva qui a fabriqué les poupées. Ce sont les personnages principaux du film Les conspirateurs du plaisir. Postez-nous.
dame de voyage. Elle, c'est une dame de voyage. Tout comme il y a des poupées gonflables que les hommes se procurent dans les prisons. Monsieur Pivoine, le personnage du film, s'est fait faire une poupée à l'image de sa voisine. Et elle a fabriqué une poupée de lui. Et c'est au travers de ces figurines que se réalise leur relation sadomasochiste. Les images érotiques sont imaginaires et généralement, elles ne se déroulent pas au niveau de ce qu'on conçoit comme sexualité. Mais si malgré cela, le film est rempli d'érotisme, il ne s'agit pas d'une sexualité visible dans le sens habituel. Je ne pense pas que ce soit exceptionnel, parce que les motifs sexuels apparaissent dans leur forme symbolique dans plusieurs de mes autres films. Ici, il s'agit purement de perversion imaginaire. C'est pour cela que j'ai fait une mise en scène très détaillée qui montre toute la préparation, comme une sorte de prélude amoureux. C'est quelque chose qui se déroule comme durant un acte sexuel. C'est aussi pourquoi la fabrication des objets, des accessoires, etc., représente une sorte de jeu amoureux ou d'érotisme. C'est pour cette raison que j'ai pris des notes durant toute la préparation, et ceci d'une façon quasi documentaire, pour qu'on puisse voir tout ce que les gens sont capables de faire afin de satisfaire leur image érotique, tout ce qu'ils sont prêts à subir et à faire subir. Description de la machine et de ses fonctions. Petit 1, pénis artificiel fabriqué comme pour un vagin artificiel dans un tissu spécial, de muscles synthétiques mais quelque peu renforcés. Petit 2, régulateur de taille. En tournant vers la gauche, on élargit le pénis tandis qu'on le réduit en tournant dans l'autre sens. Petit 3, fixateur d'érection composé de spécimens de Mucinae vulgaris ou mouches communes. Les spécimens sont vivants. Les mouches sont relâchées du réservoir une fois l'ipsation terminée. Elles se précipitent alors affamées sur le sperme artificiel répandu sur le gland. Les avantages sociaux de l'introduction des machines ipsatrices. Petit 1, une force de travail satisfaite qui ne pensera qu'à travailler durant les heures de travail. Petit 2, une famille harmonieuse, moins de divorces, donc moins d'enfants malheureux. Thank you.
Il est évident que pour beaucoup de personnes, la télévision est devenue le seul contact avec le monde, y compris avec l'érotisme. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais chez nous, chaque samedi soir, il y a des films érotiques à la télévision. Ils sont nuls. Et donc, pour beaucoup de personnes, la télévision est devenue le seul contact avec le réel et représente la seule réalité qu'ils connaissent. Il est donc bien évident que ceci est aussi dirigé contre la communication dans cette civilisation bizarre. Jeu tactile. Nous achetons 4 rouleaux à pâtisserie en bois. Nous recouvrons une moitié d'un rouleau avec des grains de riz cru, la deuxième moitié avec les écailles d'une pomme de pin décomposée. Nous nous déshabillons et, afin d'aiguiser la sensibilité de la peau du ventre et des cuisses, nous l'effleurons avec du papier émeri. Puis, nous prenons les rouleaux l'un après l'autre pour les passer sur le ventre. Nous en changeons l'ordre à notre guise. Tadyhle, chytám na nějakou kočičku. A chytám kočičce do hubičky a ona mě leže. Les sensations tactiles sont parmi les premières à se développer chez l'homme. Et ceci avant même qu'il ne sache parler ou entendre, etc. Elles sont donc très importantes. Ce sont aussi des sensations qui ne sont jamais tombées dans l'esthétisme. Elles n'ont jamais connu une évolution identique à celle qu'a connue la vue ou l'ouïe, pour lesquelles on a créé un art, une poésie, etc. Pozor, aby mě nekousla, jdu zas na to rameno. A teďka někomu chytám na nos. La poésie tactile, en dépit de quelques exceptions, de quelques tentatives, n'existe pas. Le toucher est toujours prisonnier des fonctions utilitaires. Et je voulais instaurer une nouvelle recherche visant à développer de nouvelles possibilités du toucher. Další hledání dalších možností pro hmat. J'ai fait un poème que j'ai intitulé « Au bord de la mer tactile » parce que nous ne sommes qu'au bord de cet océan inexploré. Il doit se lire comme ça. Il y a un mot, puis un élément tactile, puis les mots continuent, puis un nouvel élément tactile, etc. Ce sont des objets tactiles. J'appelle ça le nouvel érotisme. Il s'agit d'auto-érotisme. C'est censé irriguer l'ensemble du corps. Rouler sur le dos, sur la poitrine, sur les jambes. On l'utilise comme ça, bien sûr. Et celui-là, comme ça. Nous savons que dans la fonction utilitaire, la vue est très liée au toucher.
La vue est donc capable de servir d'intermédiaire au sentiment tactile, grâce à l'imaginaire, à travers l'image. Et je pense que c'est une chance. C'est ce que j'ai utilisé dans Les conspirateurs du plaisir, quand l'homme se sert des rouleaux tactiles. Et je pense que de nombreuses personnes ont eu, par l'intermédiaire de la vue, la sensation que c'était sur leur propre corps que ces rouleaux étaient utilisés, ceci grâce à l'imagination. C'est donc plutôt cet avenir-là que je vois pour le film tactile, plutôt que de distribuer aux spectateurs des matières à toucher. Pour moi, le tactilisme est quelque chose de très sexuel, de très privé. Yann a ouvert là une chambre secrète que personne n'avait ouverte. Et à chaque fois... ça me choque encore. Pour le portrait d'Eva, j'ai d'abord écrit le texte avant de faire l'objet. J'ai donc d'abord exprimé mes sentiments par des mots. Les impressions tactiles que j'aurais eues en mettant ma main à l'intérieur d'Eva. Dans le coin inférieur se trouveront des morceaux de verre brisés qui obligeront à quitter le portrait d'Eva avec la sensation d'avoir été blessé. Vous avez déjà touché votre portrait tactile ? Non. J'ai lu les notes, ça suffit. Non. Vous imaginez s'il y avait une souris dedans ? Ah. Eva et Yann viennent juste de terminer au Tessanec. Déjà, ils ont en projet une exposition internationale avec les différents groupes surréalistes, un film sur la vie du marquis de Sade, plusieurs dessins animés inspirés de contes populaires tchèques, la confection d'un service de vaisselle aux formes fantastiques, la fabrication de bustes à l'effigie de leurs amis, une série de nouveaux collages tactiles, la publication d'une monographie et d'un recueil de poèmes, une anthologie de la littérature subversive, la transformation et l'aménagement d'une vieille grande... la recherche...